Bonjour, je m'appelle Julien Guedi et je pratique un sport qui s'appelle le trekking depuis environ 5 ans. Le trekking, en fait, c'est une combinaison d'arts martiaux et de gymnastique acrobatique. Tout se passe essentiellement sur un sol. Le but du trekking, c'est quoi? C'est tout simplement d'enchaîner les figures martiales les plus complexes avec les figures acrobatiques les plus complexes. En trekking, on ne se départage pas en combattant. Le trekking n'est pas un art martial de combat. C'est un art martial uniquement basé sur l'esthétique. Et c'est quelque chose qui peut se pratiquer tout seul. C'est pour ça aussi que certains vont dire « Est-ce que c'est de la capoeira ?» Non, pas du tout. Il y a vraiment quelque chose de fondamental dans le trekking. C'est qu'il y a des figures qui existent chez nous et qui n'existent nulle part ailleurs. La manière la plus chouette, la plus classe de se distinguer, c'est de faire des battles et de les gagner. Alors, c'est en ça en fait qu'on s'inspire beaucoup du hip-hop. Le trekking, c'est un peu la même chose en version acrobatique. Donc, en battle, vous allez avoir tout simplement deux équipes, deux personnes qui vont s'affronter sur une musique. En général, ça dure tout le temps de la durée d'une musique. Donc vous allez avoir respectivement chaque partie qui va lancer un mouvement, les autres vont répondre, et un peu à la manière du hip-hop, on essaie de se taquiner, donc le gars en face fait un mouvement, l'autre peut répondre en faisant le même mieux, ou alors peut complètement changer la donne. Il y a tout un petit jeu de scène que vous verrez dans les battles, fausse provocation, mais au final, le jury va être sensible à certains critères, comme la propreté, comme le style, donc, c'est-à-dire l'unicité. Qu'en Europe, on va être plus sensible à la performance brute, donc au nombre de saltos, de double saltos, de triple brique que vous allez mettre dans un enchaînement, même si vous avez des réceptions un peu dégueulasses. C'est aussi ce qui fait que le trekking est un sport unique, c'est qu'il n'y a pas encore de vrai code, comme dans la gym, qui limite les gens, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de règles universelles. Il y a des tricksters qu'on considère comme étant les plus forts, mais aucun trickster ne fait vraiment l'unanimité. Vous allez voir différents tricksters, mais vous en verrez en fait très rarement deux de pareils. Alors chez les débutants, évidemment que si, parce que quand on débute, on essaye tout simplement de faire un mouvement de base. Mais à très haut niveau, tous les tricksters sont différents. Certains sont plus axés arts martiaux, d'autres sont plus axés gym, et d'autres sont plus axés ni l'un ni l'autre. Ils sont plus axés tricky. Au final, tous les fixeurs vous diront la même chose. Moi, j'ai fait ça parce que j'ai vu une vidéo sur internet et j'ai voulu ressembler à telle personne. Et on commence tous avec des a priori. La plupart des gens qui commencent voudront apprendre salto arrière, salto avant. Et quand ils découvriront en fait que c'est la face immergée de l'iceberg, ils se mettront en autre chose. Et c'est ça l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer quelle est cette autre chose. Ça c'est catastrophe pour le trekking, ça. Ça c'est catastrophe. Ça coûte ça. T'as le pied là.